Les Tuileries. D'aucuns considèrent ces jardins du premier arrondissement de Paris comme un des poumons de la capitale. Mais dans ce cas, il s'agirait d'un poumon qui tousse, et dans lequel le café coûte 9,50. Accompagné d'une minière 10, d'accord, bon, enfin, ça fait cher le litre. Derrière la féerie de ces 25 hectares, ce qui est grand, mais pas dingue non plus, se cache toutefois une histoire plus piquante, sur laquelle on communique peu, à l'office du tourisme. Alors aujourd'hui, dans Visite Guindée, pourquoi les Tuileries ? On doit leur nom à Catherine de Médicis, reine de France et magnat de l'immobilier. Parce que son logement précédent sentait un peu trop la canalisation, elle décide au XVIe siècle de se faire construire un magnifique palais, juste là. Mais vous pouvez pas le voir, parce qu'il a brûlé. Ce palais a été livré avec des jardins, mais sur une parcelle de terrain qui n'était pas exactement libre, puisqu'occupée par au moins 3 fabriques de tuiles. Des Tuileries, donc. Heureusement, Catherine est parvenue à faire expulser ces vilains ouvriers, mais le nom, lui, est resté. Se dessine donc le premier espace vert aménagé ici, autour de cette allée centrale, dans laquelle je marche, en écartant les bras. Après l'allée s'en suivent d'autres aménagements, tels que le bassin octogonal, mais il est actuellement en travaux. Le bosquet de Diane, en travaux aussi. Le carrousel, bah en travaux, mais plus premium cette fois. Alors que faisait-on aux Tuileries ? Eh bien l'activité principale des gens de l'ancien temps, on marchait, sans but. Henri IV lui-même aimait à s'y dégourdir la patte au milieu des buissons. Et les gens d'aujourd'hui, qui font-ils au juste ? Les autres activités phares du jardin des Tuileries ont toujours principalement tourné autour de tout ce qui est hédonisme et fellation. Célibataires, couples adultères et membres du clergé connaissent depuis 5 siècles les buissons du parc que les gardes suisses avaient pour mission de secouer pour en déloger les occupants affairés. Aujourd'hui, le balai polisson d'un public principalement masculin venu partager une complicité enthousiaste s'organise toujours. Au nez et à la barbe des touristes, il perpétue l'excellence française d'une discipline à la renommée mondiale, le cruising. Inventé il y a fort longtemps par des gentlemen à la recherche d'une compagnie affable et furtive, cruising est un mot anglais, comme week-end, benchmark, parking ou roast beef. On pourrait le traduire par l'action de draguer en plein air, avec pour objectif de finir par porter pas tellement de pantalons. Excusez-moi, c'est par là le ficus d'Henri IV ? Oh, si les temps ont bien changé, ce jardin public reste un des endroits de choix pour l'éventail des plaisirs terrestres. Et voici notre question répondue. À quelle heure les Tuileries ? À Catherine de Médicis. Ah, alors c'est ça, Prince Albert ? C'est formidable.